Plop les gens, bonjour et bienvenue dans cette suite des défis. Alors lui, la cuillère n'existe pas, c'est déjà trop tard, hein, mais pas le temps de bavarder et surtout un gros poil dans la main. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'arriver sur le stream en même temps. Bonsoir Riten, Enroy, Katosh, un gros panda est arrivé. Moi aussi j'ai un poil dans la main. Donc ce que je devais faire, c'était les circuits bleus pour faire la science. Les structures à faible densité, oui c'est fait. Les trucs de robots, c'est fait. Ouais. Je crois qu'en fait, ce que je veux faire, surtout copier ça. Un peu plus haut. Alors, je vais y mettre où? Je vais y mettre où? J'avais prévu, je sais pas par où. Ça doit être celui-ci, hein. J'avais prévu un truc pour que les potions arrivent. Donc ouais, c'est celui-ci. Je pense que je vais le bouger. Parce que là, c'est un peu occupé. On va se mettre là à peu près. Sachant que ça y a pas besoin. Si j'ai des poils dans mes. Mais pas dans mes mains. D'accord, merci Riten. Et genre, vous êtes un berbe, ouais. Non, je ne suis pas un berbe, je ne ferai pas genre. C'est dans la zone de lui, ok. Ça c'était mes mémos, pas besoin. Ça je crois que pas besoin en fait. Hein. Alors j'ai ça. Et il va me falloir le plastique aussi à ramener. Tac. Il faut le verre. Mince, j'ai pas pris les. Quelque chose comme ça. Le verre. Ok, celui-là, il n'y en a pas besoin. Et le plastique, il faut le remonter. Comme ça, le plastique, j'en ai là. C'est bon, il n'y a pas besoin en fait. Comment je peux le faire passer? Je crois que je vais faire un. Je vais faire deux convois. Ah non, je peux pas, j'ai oublié. Moi l'hiver arrive, je dois me touffer un peu pour éviter d'avoir froid. J'utilise des vêtements, moi, grosse stratégie. Merci Enroy d'être moins animal que les autres. Je mets le chauffage, oui, ça marche aussi Riten. Bref, on a dit. Ça, il nous faut ça. Ok, il va m'en falloir. C'est sérieux. Ah là là. Ça. Il en faut combien? Combien y en faut-il? Il en faut 40, il y en a 27. Réussir à faire quelque chose pendant cette VOD. J'espère faire les potions jaunes et peut-être même les violettes. Il m'arrive de faire des bains de neige en maillot de bain.
un bon bain dans la neige, puis une bonne douche tiède. Ouais, chacun son kiff. Dans la logistique, oui, j'ai pas mis. Je vais mettre genre là. Ça, ce serait bien que j'en ai pour 300 sur moi, non, 200. Les plaques, de toute façon, je les mets pas. Et salut, docteur Makou! S'il parvient à quelque chose durant cette VOD, le titre de stream sera mensonger. Mais non! C'est pas parce qu'on a un gros poil dans la main que le titre est mensonger. Pourquoi? Ouais. Alors tout ça c'est déjà construit, regardez. C'est déjà construit, j'ai même pas... Je m'en suis même pas occupé moi-même. D'ailleurs, je m'en suis tellement pas occupé moi-même que j'ai oublié de prendre... J'ai oublié de prendre mes souterrains. Ils sont là. Alors, oh non, vous êtes sérieux. Une case. Là et là aussi, je pense qu'il m'en faut un comme ça. Oh, là aussi, ça passe pas. Là, ça passe. Et là, on peut faire ça. Alors. Ça en vire. J'ai jamais fait ça. J'ai maintenant la confirmation que tu es complètement malade. Oui, pour le bain de neige, tout ça, c'est compliqué. C'est gratifiant? Non, c'est pas gratifiant de se noyer dans de la neige. Tac, c'est. C'est froid. Moi j'aime bien l'hiver, mais il y a des limites. Il y a des limites au froid. Ah oui, il va me falloir aussi pas mal de... comme ceci. Alors là, il y a du plastique. Là, il faut le cuivre. D'ailleurs, en jouant en mode Baiter Battles, je me suis rendu compte que mes fours, en fait, ils étaient pas assez longs. Ils sont... Là, je crois que j'en ai fait 16 de long, alors qu'il faut faire 24 de long. Du coup, ben, rip. Rip moi. Mais c'est pour ça que je ne visais pas du tout, la cuillère n'existe pas, mais uniquement pas le temps de bavarder, tout en bavardant. Ici, il nous faut du fer. Fer, c'est moins loin. Oula. Et je devrais avoir mes premiers circuits verts ici, suivis des rouges. On va le refaire à la main, c'est pas grave. Quoique, si je peux juste copier-coller, ouais, il y aura les poteaux électriques.
là et je vais vouloir aller sur la gauche. On va dire. Ah, j'ai plus de tapis, j'ai plus de tapis. Et j'ai plus de bras jaunes non plus. J'étais pas censé avoir quelques robots logistiques 612. Pourquoi il me réapprovisionne pas? Je suis pas dans la bonne zone. Ça, ça devrait aller et tout ça. Oui, il faut pas dépasser les bornes des limites, Katoche. C'est quoi Biter Battles? Enroy, c'est un mode de jeu multijoueur hébergé sur les serveurs de... Comment il s'appelle déjà? De Confi. Confi. Où le but du jeu... Ah non. Hop. Le but du jeu, c'est de... Enfin, il y a un camp au nord, un camp au sud. Et... Tac tac. Un camp au nord, un camp au sud. Et tu... tac. Comme ça, ça me paraît bien. Non, pas besoin d'autant. Je sais que les bleus, c'est la merde. Pour gagner, il faut que les biters tuent l'équipe ennemie. Sachant qu'on ne peut pas vraiment... enfin, on peut envoyer la fusée, si on veut. On peut envoyer une fusée si on veut. Mais on ne peut pas... On ne peut pas vraiment attaquer directement les adversaires. Voilà pour le très très gros. Ouais. Et du coup, si t'as le jeu, tu peux chercher les parties publiques qui s'appellent Biter Battles. Et... Moi, je m'éclate bien. En général, je suis pas un gros fan de mod, tout ça, mais pour du multi, tout ça, c'est cool. Ça... On va mettre ça comme ça. Et on a nos circuits bleus. Un jour, peut-être. J'ai pas du tout fait gaffe au ratio. Une sorte de tower defense où les vagues sont des biters. Plus ou moins, ouais, combat de baiters, c'est ça. Et pendant ce temps... Hop. Tu viens d'aller sur le Discord car je l'ai vu en description, d'accord. Le Discord Baiter Battle. Non, le Discord communauté francophone de Factory. Pff. Comment s'appelle le stream? Je suis déjà fatigué, je dis déjà n'importe quoi. Ça commence mal. Ça. On va aller là. On va aller. Là. Là, ouais. Et donc avec tout ça c'était pour la potion jaune, je crois. Oui. Je crois que la potion jaune est assez relou aussi. Enfin, elle met masse de temps aussi. C'est pas grave.
quoique. C'est un scénario multi où deux équipes s'affrontent en s'envoyant des potions pour activer des biters et le premier qui perd son silo a perdu. Oui, c'est ça. Description complète de Dr. Maku. Et mais je peux faire un copier-coller moi. Copier. Genre ça. Là, c'est peut-être un peu beaucoup, mais. J'enlève ça. Au pire, j'enlève ça pour le moment. Là. Celui-là, faut l'inverser. Alors, les potions, lesquelles on peut faire. Enfin, les recherches. Les recherches. On a des potions bleues, donc on va faire ça parce que j'aime bien. Je pense qu'il fallait viser surtout. C'est pas la bombe atomique, c'est ça. Potion jaune, on les a pas encore. Bah voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. Du coup, on s'en fiche un petit peu pour le moment. J'ai ni les potions jaunes ni les violettes. Pas quoi prendre là-dessus, du coup. Militaire 3, ça me débloque des choses intéressantes. Ah, les lasers, défense et les boucliers d'énergie. Allez. Donc, les dommages des armes, les tourelles laser, ça sera déjà mieux. Ça, oui, c'est bien. La capacité de transport des drones. Et la vitesse de tir des armes. Ouais, ça fera économiser un peu de bleu pour la fin. Tac, et voilà. Et donc tout ça, on a dit, c'était des potions jaunes. On va emmener les potions sur la droite. On va copier tout ça. Hop là. Oh non, il y a des biters. Tout ça. J'ai une tourelle, mais loin. Tant pis. On va copier tout ça. Coller. Sauf que ça. Ça va être les autres potions. Et on retourne au sud. Il y a aussi les explorateurs. Si jamais tu veux apprendre certains trucs dont tu ne comprends pas pour t'améliorer. Ouais. J'avais fait la première saison des explorateurs. C'est en ce moment d'ailleurs qu'ils le stream sur le. Et qu'ils le stream et qu'ils le font du coup sur le Discord, je crois. Ouais, c'est ce soir. Ben, j'avais fait la première saison, c'était plutôt cool, et puis j'ai pas pu faire jusqu'au bout parce que la vie, quoi. Mais c'était plutôt cool ce que j'ai. Les moments où j'ai participé. Pourquoi il n'y en a plus qu'un? Ils sont rapprochés. Ah oui, j'avais des tourelles là. Ok. J'ai des robots, j'ai des tapis. Pourquoi j'ai que deux robots qui sont sortis? Les autres se sont perdus en chemin. D'ailleurs là. J'ai vu qu'il y avait un mode pour mettre en. Comment ça s'appelle?
en rouge, j'avais envie de dire. En destruction automatique, dès qu'une foreuse n'a plus de... n'a plus de rien à miner. Ça, j'avoue que c'est un mode qui m'intéresserait pas mal. Alors ça, ils ont quelques-uns. Il en faut 4. Là, j'en ai pas. Ça s'est reconstruit, oui, oui. Ils sont où mes robots? Oh, il m'en manque un certain nombre là. Ils sont pas partis de... Tant pis. Ouais. Je sais pas si j'en ai 3 ou 4. J'ai plus de... C'est où? C'est là. Si j'en ai en plus, j'ai vu 50. Pourquoi il répare pas? Oh, j'ai des robots qui se sont perdus, c'est chelou. Voilà. Parce que mes robots ports principaux n'arrivent pas jusqu'ici. D'ailleurs, ça venait d'où? Ça venait où? Il y a 3 camps là-bas. Alors, on pose ça. Ouais. Ah oui, j'ai bel et bien quelques robots qui se sont arrêtés en chemin. Alors, ah oui, je les ai peut-être, ils sont peut-être sortis à ce moment-là. Et... Mais je comprends pas pourquoi, j'avais l'impression que certains trucs étaient interdits. Bref, ça. Ça, on peut faire le tour par là. Non, c'est pas ça. Là. Oui. Voilà. Bon, mes robots sont revenus. J'ai des plaques de fer, j'ai pas vraiment de plaques de fer sur moi. On va en prendre quelques-unes. Dans toute cette zone là, j'ai l'impression que c'est tout bon, quoique là il y en a peut-être un. Non, c'est tout bon. Ah non, mais j'ai beau en avoir 50 sur moi, il y en a que... C'est lui qui limite ça, non, maximum de robots 10, oui c'est bien ça, tant pis. Tant que je le fasse moi-même, ça ira un poil plus vite. Ouais.
Le gros détour, oui, un petit peu, un petit peu. Ça. Ah, c'est hors de portée du roboport. On va se mettre là. Alors, ici, on veut les autres potions. Pour ça, on veut des rails, les modules de productivité 1 et les fours électriques. Alors, je me souviens plus, les rails, il faut de la pierre et de l'acier. Et des barres de fer. Les modules de productivité 1, il faut circuit vert et rouge. Donc à la limite, on peut même le faire à droite des bleus là. Le four électrique, il est où? Et là, module rouge, plaque d'acier et briques. Alors là, apparemment, copie ça au moins une deuxième fois. Là. Façon c'est bon. Oh, quoique. Non, c'est pas bon le verre. C'est ça qui limite. Et c'est encore un problème de cuivre. Alors, sachant que le cuivre, on l'a qu'une fois, on pourrait recoller ça. Je vais garder cet arbre. J'irai le faire moi-même. Coller. Tac, ici c'est bon. C'est là. Et c'est là. Ouh. On va devoir faire ça. J'ai dit qu'il y avait un arbre que je voulais sauvegarder. Donc ça ne va rien changer tant que j'ai pas. Tac. Comment je peux faire là? C'est trop tard. Je peux plus sauvegarder l'arbre. Copier. J'en ai plus sur moi de ceux-là. Pourtant j'en avais. Ils sont où mes robots logistiques? J'en ai demandé, t'sais. J'en ai demandé et j'en ai. Je suis censé avoir 112 robots logistiques. J'ai des demandes logistiques. Là, j'ai une demande logistique sur la route. Comment ça, non disponible? Genre là, ça, c'est pas disponible. Ou alors, ils sont dans un réseau logistique autre. C'est sur off. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un on-off ici.
Merci, Makou, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe à ce on-off ici. Donc ça devrait aller mieux maintenant. Voilà. Eh bien, il y a bien une armée de robots qui vient m'aider. Qui vient me... Ouais, nouvelle fonctionnalité de fin de 0.18, parce que j'ai quasiment pas joué à autre chose que la 0.18, un petit peu à la 0.17, mais... Oui, je comprends que ce soit très utile, mais... Ça aurait été mieux que ce soit sur On par défaut. Surtout le fait qu'elle se désactive quand tu meurs. Ah! Oui! Oh, ça oui! Effectivement, que ça s'auto-désactive pour pas être blindé de munitions parce que tu remeurs 4 fois d'affilée, oui. Oui. Non, ça j'avoue, auto-désactiver quand tu meurs, oui, mais la première fois, ou alors c'est que je suis mort entre-temps? Je ne m'en souviens plus. Bref. Merci le chat. Hop. Si tu veux amener X trucs sans avoir besoin des autres, tu mets sur off. Ouais, mais c'est un général. Donc t'es obligé de faire généralement. Je suis peut-être mort actuellement, mais je le sais pas. Ah! Oui. Donc là, il y a du cuivre, donc il y a du verre, mais vite fait en fait. Il y a du verre, mais vite fait. Comment on fait pour produire ces poteaux électriques là? Chiant. C'est très chiant même. C'est pas du tout le bon endroit, mais c'est pas grave, je vais le faire ici quand même. Ici. Hop, je veux que tu te transformes en fil de cuivre. Toi, je veux des petits poteaux à l'infini. Au cas où. Ce sera déjà ça. Et il me faut bien évidemment encore un coffre jaune. Alors un petit circuit rouge, ça c'est pas dur à trouver, c'est juste ici. Et le coffre jaune, je le mets là. Toi, filtre. Je veux tout le bois du monde. Si j'y étais, le bois, c'est là. Et on s'en fiche de combien on en a. De toute façon, c'est pour brûler le bois. Par contre, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Il faut des barres de fer et là il faut des poteaux.
Tac, et j'ai plus de circuit rouge parce que j'ai plus de fil. Là, j'ai eu n'importe quoi. J'ai plus de plastique. Ah oui, là, j'avais plus de fil parce que... Ok. Pourquoi ici, j'ai plus de plastique? Parce que j'ai plus de ça. Ça, c'est à fond, donc ça doit tout bloquer. Ok. Un pain dans un clam. Pas assez de gaz pétrole. Ouais, pas assez de gaz pétrolifère parce que pas assez de... Parce que trop peu de... Enfin, trop de... pétrole léger. Alors... Toi, tu vas me produire des usines de produits chimiques. Dans ma logistique, je pouvais pas ramener des tuyaux. Je crois que j'avais fait des tuyaux. Ils sont là, j'en veux 200 et ceux-là, j'en veux 100. En attendant, non, c'est pas ça, c'est ça. Ok. Non. Là on peut. Tac. On va faire comme ça. Ah là ça va pas aimer, je le sens déjà. Truc comme ça. Le streamer a mis une baguette car... car comme émote, un zizi ça aurait pas été validé, oui. C'est Momanus, ouais. Sticone. C'est pour te dire, en gros, je te casse ton cerveau. J'ai plein d'émotes, si tu veux. Genre, j'ai une chèvre, un pigeon. Ok. Du texte pour dire ça me débecte. Ok. Tac, j'en ai pas eu. Je me souviens plus, non, les transporteurs c'est que dans la partie rouge. C'est relou ça, la distinction entre les deux. Alors, par où je passe? C'est par ici normalement. J'en ai combien? J'en ai 3. Je devrais le faire. Évidemment, il me faut de l'électricité, j'avais zappé. Et là, qu'est-ce qui lui manque? Ah oui, la recette. Et là, il lui manque de l'eau. J'avais pas fait gaffe. Hop, coller. Voilà. Donc, ouais, non, on peut tout mettre en plein du coup. Tac, tac.
comme ceci et ici. Oh. Et maintenant l'électricité. Voilà. Les mots pour dire qu'il est 23h30. Bon, du coup, il est 22h47, donc ça le fait pas trop. Il y a une émo de 23h30, sérieusement. Bonne soirée, Enroy. À la prochaine. Celui que je préfère, c'est quand même Balerin. Il est acquis, celui-là. Ah, une erreur est survenue quand j'essaie de récupérer. C'est Feili 2330, je connais pas. Et ah, Riten TV. Ok, c'est ton émote, Balerin. ouais, ça descend, donc là ça monte. Mais je vais avoir le même problème ici. Ça, hein. Vu que là de toute façon c'est rempli, donc ouais. Oh oui, déjà. Je sais pas du tout les ratios par contre. Ce que je sais, c'est que j'ai du plastique qui sort, c'est tout ce qu'il me faut. Ah bon, c'est très utile de pouvoir dire qu'il est 23h30 sur Twitch. Je dois louper quelque chose alors. Mais je te crois, mais je dois louper quelque chose. Donc tout ça produit. Est-ce que jusqu'ici, oui, tout le monde produit, c'est très bien. C'est très bien. Juste que... Ah, y a pas assez de verre qui passe, quoi. On peut recopier ça, d'ailleurs. Je crois que je l'avais mis dans ma bibliothèque, non? C'est comment, c'est mage... hop. Ah oui, mais non. Hop là, non. Comme ça. Comme ça et comme ça. Voilà. Théoriquement, j'ai doublé la production. Dans la pratique, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que là, le tapis, il est déjà blindé. Je vais faire quelques tapis comme ça, quelques tapis rouges pour accélérer le process. Il va aussi me falloir un splitter rouge. Alors, le splitter rouge, il est là. Hop là, dans le mauvais sens. Et upgrade. C'est le upgrade. Ouais, genre toute la ligne. Manquait juste 3 en plus, pile poil. Et ici, du coup, mais du coup, les verres ne sont que sur la moitié. Non, ici aussi, il en faut.
va améliorer tout ça. Et ça. Ouais. Trop lent du coup. Là et là, il me faut un deuxième comme ceci. Ça pourrait aller pour le moment. Voilà, ça devrait se finir tout seul. Nous, il faudrait qu'on monte. Colis. Il faut qu'on monte ça. On monte même plus encore. Il faudrait que je prenne aussi plus de cuivre. Ouais. Hop. Back. Et là où j'ai mis mes tours. Après j'ai des modes plus utiles comme 5. Pouette. Robinet. Ou rent en plan. Ouais, donc t'es sub chez Zerator et Moma. Tiens d'ailleurs on a eu une discussion récemment. Entre nous, on se demandait qu'est-ce qui poussait les gens à s'abonner chez les très gros streamers. Genre comme Zerator justement, où il y a... où tu sais qu'ils ont déjà des milliers de vues, donc ils n'ont pas foncièrement besoin de d'abonnement. Enfin de ton abonnement en particulier quoi. Moi je disais que autant Zerator je comprends parce que tu sais qu'il fait des events. Entre nous je me rappelle pas. Il me faudrait une tête émote de panda comme celui Discord lol. Ouais. Les vues ne font pas l'argent sur Twitch. Oui. Oui oui on est d'accord. Mais autant Je trouve que Zerator, il fait des events, il fait des trucs, et du coup je comprends que qu'on ait l'envie, entre guillemets, de soutenir ce qu'il fait.
autant des gens comme MV où tu sais qu'il a des milliers de gens qui lui donnent des sous, tu sais que lui a des sous quoi, comparé à un petit streamer, je veux dire, un petit streamer je comprends très bien que tu veuilles le soutenir parce que tu sais que bah, y a pas grand monde qui va le soutenir à part toi. D'ailleurs j'ai pas beaucoup d'abos mais j'en ai. Mais un gros où tu sais que au final toi en particulier tu feras pas la différence. On se posait la question en fait avec, avec quelques personnes. Les vues ne font pas l'argent sur Twitch. Zera, il a plusieurs boîtes, dont une de dev de jeux vidéo. Zera, c'est ton prime, ouais. Non mais après, chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est pas un reproche ou quoi, hein. C'est même pas une demande d'abo. Même si ça pourrait être interprété comme tel. C'est juste... par curiosité, tu vois. Je sais pas. Oula, là c'est trop près. Alors ça on descend, ça aussi. Et ça aussi. Ouais. Et colis. On va même copier ça. Après, c'est juste du soutien car j'aime ce qu'il fait et l'ambiance que le streamer met pour le faire. Je les abonne quand j'aime plus, ça m'est déjà arrivé. Ok, pas de soucis. Hein. Ok. Tac, on va quand même faire bien le tour du charbon au cas où. Coller. Et aussi pour les émotes. Ah, j'avoue. Si tu parles beaucoup dans les chats habituellement. J'avoue que c'est... juste pour les émotes, ça pourrait être utile. Enfin, ça pourrait donner envie, quoi. Vu qu'il n'y a pas d'utilité intrinsèque... aux viewers, c'est toujours du soutien. Tac, tac. Quelque chose comme ça. Je suis très bavard, oui, même sur les chats des gros streamers chez qui je suis. Et être sub, ça permet aussi d'être plus facilement lu par lui, d'ailleurs. Oui, oui, je me doute bien. Je le vois aussi en tant que streamer. Ceux qui ont un badge, si j'ai beaucoup de monde, c'est eux que je vais lire en premier, car plus tape à l'œil. Ok. J'avoue que... on n'est pas encore arrivé de... Genre c'est déjà l'une des fois où j'ai... Non, c'était peut-être la dernière fois où il y avait eu 8 viewers, où c'était mon pic.
en live en tout cas. Donc 8 viewers, 4-5 personnes qui parlent. En général, j'ai le temps de lire, même si ça m'est arrivé de... de perdre un peu le fil. À juste 3 personnes. Mais qui sont partis dans un délire, quoi. Moi, j'étais pas sur Factorio, je crois, mais j'étais sur... Ou peut-être que si, je sais plus. Enfin, j'étais sur un truc un peu dans ma... À suivre ce que je faisais et... Ah merde, il y a déjà 10 messages. Ah non, c'était sur... Dandara. C'était sur Dandara et je crois que c'était les épisodes où j'ai juste full galéré à... Ah, j'ai oublié de mettre l'électricité, ça viendra jamais. C'était les épisodes où j'ai juste galéré à tuer le boss final. Le true last boss. Moi, je suis un peu plus associable que toi. Du coup, je parle dans un chat quand il y a 3 personnes, mais quand il y en a plus... Non. J'ai pas l'impression d'être utile. Et puis je sais pas quoi dire. Mais pour un petit streamer, je fais toujours un peu l'effort. Quand je vois qu'il... Soit qu'il a l'air sympa, soit qu'il est... Soit qu'il parle pas, voir si c'est... Juste lui, ou si c'est... Enfin, si c'est juste qu'il y a personne, donc il parle pas, ou si... Il va juste pas du tout parler. Ouais, on peut prendre tout ça, c'est cool. Vous me donnez quoi? Des poteaux. Katosh qui dit « Ah, moi je m'abonne rarement, ça dépend bien des choses, lol. Quand ton chat défile vite et que tu essaies de récupérer le fil de discussion, je vais lire les mentions à mon pseudo, modo, puis sub, puis la plèbe. » Ouais, je comprends. Après, les mentions, je fais un peu gaffe parce que... J'ai vu masse de gens qui mettaient des mentions pour pas grand-chose, juste pour se faire lire, justement. Et... Je suis en mode ouais, mais est-ce que t'es sûr que ton message il vaut la peine de la mention? Mais je comprends que ce soit plus ou moins ce que tu fasses de toute façon instinctivement, quoi. Mais j'essaie de me dire, si le gars il m'a mentionné alors que ça avait pas lieu d'être, bah je n'irai pas son message à l'oral ou je ne le... Oui, bon, là, il n'y a pas beaucoup de messages, ça défile pas, donc je l'ai lu. Mais je le dirai pas à l'oral ou je le... ou ce genre de choses, quoi. Ou je répondrai pas forcément, je me dis si... Si ça... comme t'as mis ce message intéressant, Adzikino. Dans le lot, là, je suis sub à Kamak pour avoir l'accès à la waitlist de son serveur GTRP. Je connais pas Kamak, mais en vrai, je ne joue pas à GTA, donc c'est peut-être lié. Tout ça, c'est pas tout bon. Il me manque les poteaux, justement. J'étais en train de les faire. Oui, mais je peux aller au maximum ici, quoi. J'ai des roboports qui se sont construits en stock. C'est où? Et là. J'en ai 10. Bah, tu sais quoi, j'en mettrai un là, comme ça, j'aurais pas à m'en occuper moi-même. Je vais en mettre un là. Ça, je dis rien, mais
Il reste 1h58 minutes. Non, il reste 6 heures. Tic, 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 tic. J'aime pas GTA, mais le RP dessus est cool à faire sur de bons serveurs tels que le sien d'ailleurs. Ben, je comprends, mais je sais que c'est pas mon genre de jeu, le RP, donc je ne m'intéresse pas plus que ça. Ça. On a plus de verre, mais on n'a pas plus de verre parce qu'il n'y a pas de plaque de cuivre, mais c'est ce que je suis censé être en train de faire. Et c'est en train de commencer à arriver, là. Je réfléchis, est-ce que lui, non, lui, je l'ai pas passé en rouge. Ce serait cool que je le mette en rouge. Quoique, je crois qu'il est pas dans la zone. S'il est dans la zone, c'est bon. Hop, et je fais une demande de les matériaux. Et c'est où? Là. Même validé, là, on va à droite. Pas mal de fois où je l'ai zappé. Alors, oui, bon, les balles. Les balles, du coup. Voilà, j'en ai pris plein. Mais du coup, ça, c'est tout rempli de verre, tout rempli de verre, tout rempli de verre. Il manque des rouges, mais c'est parce qu'il y avait plus de. Rouge. Tac. Et amélioration de tout ça. Ça va être fait. C'est juste là, super. Alors, c'est les structures à faible densité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de. Ok. Il n'y a vraiment pas de cuivre déjà ici. À faible densité, je crois que ça met du temps à se construire. C'est où? C'est là. Ça met 20 secondes. 20 secondes, je crois que j'ai pas besoin de tapis rouge. Non, non, le 8h, le 8h, j'avais pour me donner une idée. Et du coup, c'était quand j'en étais vers les potions jaunes. Mais c'était pas un vrai objectif, sinon. Tac, tac, là ça devrait être tout bon, ça devrait se restabiliser. Bref, ça, j'en ai quelques-uns. Ce qu'on voulait.
comment on fait déjà les E. Il faut de la brique, des circuits rouges et des plaques d'acier. Les rails, il faut de la pierre, des plaques d'acier. Et des barres de fer. Et E, je crois que c'est totalement autre chose, ouais. Enfin, quoi qu'il y ait des circuits rouges quand même. Donc on reprend la production de circuits rouge et vert. Tout ça, ça n'a pas besoin d'être en rouge du coup. Ah bon, les 15 heures c'est mort aussi? Ah mince. Ah, de toute façon, ça faisait un bout de temps que j'avais pas joué. Je me retenais un petit peu parce que c'est très par période ce que je fais. Et du coup, j'ai oublié pas mal de choses. Et je voulais y reprendre pour la 1.0, quoi, pas avant. Donc ça, c'est du vert et rouge qui m'arrive ici. Hop. Je pourrais presque continuer ici et dire que ça fait ça. Ça va se faire et du coup pour les violets j'ai déjà ça. Ce qu'il me faut maintenant c'est les ici ce que je veux c'est ça de l'autre côté c'est cool. Plaque d'acier et briques. Où sont mes plaques d'acier déjà? Elles arrivent bien par là un moment. Là.
Débrouille-toi. Ah! J'ai plus de tapis. Ils ont tous emmené là. Pas des masses. Colis. Roy. Alors, là, plaque d'acier, ça va venir de la gauche. Ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression de devoir avoir trois rangées. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. On va faire ça d'abord. Ici d'ailleurs. Ça va se mettre en place tout seul normalement. Oui, et voilà. Non, ça va être... faire d'habitude. Non, ça va pas le faire. Si là je veux ça, je veux que ça sorte ici. Ah, ça va pas le faire en fait.
là, la plaque d'acier, elle est bien là. Ça. Par contre, si je mettais le four, il manquerait le circuit rouge. Sur cette partie, les objectifs que j'ai, c'est un gros poil dans la main, donc faire moins de 111 crafts à la main. Mais ça, c'est pas très difficile parce qu'on peut bloquer le... On peut s'empêcher de faire des crafts à la main. Tu tapes slash permission dans le chat avec un au pluriel et tu peux te bloquer cette autorisation là, donc tu n'es plus capable de faire des crafts à la main, donc tant que tu lances ta fusée t'as réussi. Et autre objectif que j'ai, ce que j'aimerais faire, c'est pas le temps de bavarder, ce que je ne respecte pas déjà. Oui, le succès Steam sera pas débloqué si je fais des commandes qui commencent par C, mais les commandes... Mais celle-là, ça fonctionne, c'est bon. Je le sais. Pourquoi je fais ça alors que je sais que là il va me manquer une punaise de barre de fer? Je ne sais pas. C'est quand même un gros troll, Riten. Hein. Je connais pas le nom du haut fait en français. Oui, ça a du sens. Le temps de bavarder, c'est moins de 15 heures, ouais. Et ça c'est bien, mais faut que je le déplace. Couper. Je vais le déplacer genre là. Je tente ma première méga base, mais je suis très loin. Bah, j'ai tenté, mais j'ai pas eu la motive. C'était à moitié en stream, à moitié pas en stream. J'ai pas eu la motive. Mais du coup, là, je fais vraiment quelque chose que. Ces objectifs-là, je les fais. Je vais y arriver. Enfin, au moins le 111. L'autre, on verra. Hop, non. D'ailleurs, couper, on va recouper parce que c'est mal placé. Quelque chose comme ça. Et là, il va me falloir au final... Oups. Après Megabase, on m'avait dit que c'est à partir de 1000 sciences par minute, voilà. Megabase, c'est dur, oui. Je pense y arriver, ouais. Mais je sais même pas à combien j'en étais dans mes essais, mais... Mais en fait, c'est surtout que je voulais faire une base avec des trains et qui est une forme de méga base, mais sans que je me soucie plus que ça de si c'est vraiment 1000 ou 2000 ou 300. Vas-y par palier, ouais ouais c'est ça. Ce truc c'est que j'aime les épines dans les chaussures et que je le fais sur une game avec des paramètres par défaut. Oui, pour moi méga base c'est quand tu vas plus loin que la fusée.
Ouais, mais plus loin, t'as pas de limite. C'est pas genre plus loin niveau au moins. Oh là. Ouais, c'est ça, j'en ai fait plein des mécabasses. Ah oui, le taureau roi. Ça, normalement, ça produit des rails ici. D'ailleurs, ça, vous allez me le détruire avant que je l'oublie. Ça, vous pouvez le garder en vrai, théoriquement. Que tu te tiens pas très droit, c'est Twitch qui m'a prévenu. Oui, je me tiens jamais très droit. J'en étais où? J'en étais à faire les fours si possible. Moins 100. En tout cas, ça fait plaisir de voir des gens qui utilisent mon émote plop. Parce qu'au final, même si je sais qu'on peut l'acheter avec les points de chaîne et que vous êtes les premiers à le faire. Tac, tac. Là, c'est pas ça que je veux. C'est... ils sont où? Riten qui spamme de moins 100 pour avoir des messages mis en avant. J'accumule pour un truc de 1000, à 1000 points. Je sais même pas s'il y avait d'autres choses. Je sais que j'avais regardé les trucs proposés par Twitch, mais je sais plus si j'avais mis moi des trucs plus loin. Il y avait des trucs qui m'avaient l'air sympa, mais il me semble que je les avais pas mis. Test de tir des armes, le freinage, ça va pas servir à grand chose. On va mettre ça. Ah zut. Seulement affilié qu'on peut mettre le système de points. Ouais. 23h30 plus 2. T'es en retard, Riten. Pourtant, tu nous avais dit que t'avais l'émote. Donc, avec tout ça, il faut un potal ici. Là, il me faut mes circuits rouges. C'est trop de thunes. Voilà.
Tac, tac. Donc là, il manque les circuits rouges qui sont en train d'arriver et ça doit être bon. Donc, comme ça. Pas bon. Et donc avec tout ça, je vais venir ici. Coller. Cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, il n'y a pas de... Oh, punaise. Bon bah j'ai quelques bobines. Ça va. Tu as un système de rafistolage avancé et un système de liquide. Oula. Le mec qui envoie tout son argent par la fenêtre. Sur ma chaîne, j'ai mis avoir le badge VIP pour seulement 20 millions. Pour seulement, capa. Pour vous, c'est rentable la liquéfaction du charbon. Perso, je l'ai jamais utilisé, mais j'avoue que je suis d'avis d'avoir l'avis de ceux qui s'y connaissent un peu le mieux. Je suis pour avoir l'avis de ceux qui s'y connaissent un peu le mieux. Donc ça dépend si tu as beaucoup de pages de charbon et peu de pétrole. Ben, je suis en paramètre par défaut, j'ai très peu des deux. Et pour seulement 1 milliard, je mets le badge modo. 1 milliard seulement! Quelle bonne affaire! Je crois que le gars que je suis le plus sur son stream, je suis à 140 000 points de chaîne. Ça peut arriver des presets que tu as des patchs de charbon à pu finir, mais peu de pétrole. Rien n'empêche d'avoir les deux, oui. Oui, si tu as un système de raffinage avancé, un système de liquéfaction du pétrole. Hein? Pour gérer un chat. Miaou. Voilà, là ça devrait aller. Oui, ils ont eu leur circuit rouge. Regarde quand même, mais je pense que ça va aller. Herbe à chat, tu gagnes déjà. Ah, de l'herbe à chat pour son chat. Ça devait pas être de la bonne, hein, parce que celle que qu'on a eue avec un jouet, ça lui a rien fait. Enfin, avec un grattoir, ça lui a rien fait. Elle a jamais utilisé le grattoir en tant que grattoir. Heureusement qu'il y a des petites boules pour faire jouer, quoi. Oula, j'ai pas tant de plastique que ça. Pourtant, j'ai masse de ça. Il est où le plastique? Il est là. C'est juste que les usines sont lentes? Non. C'est que j'ai pas de charbon. Ça, ouais, j'ai pas de charbon. J'ai pas de charbon parce que j'ai pas de charbon. Parce que ça, c'est quasiment fini.
Hop. Et que j'ai jamais rien pris d'autre. Où c'est que j'ai des patchs à charbon déjà? Ici j'en ai deux. Donc on va aller les prendre. Le mien vient, les gros yeux en bille, les gros ronds. Ouais, avec l'herbe à chasse, chez mes parents, on n'en a jamais utilisé, donc pour moi, ça a toujours été un mème d'internet que les chats étaient à fond sur l'herbe à chat. Et je l'ai jamais vu en pratique, quoi. Mais j'ai plus beaucoup de plaques d'acier non plus. Ah, et bonsoir un barbu, excuse-moi, je t'avais pas vu. Ton pseudo est proche de la couleur de Riten, et du coup, j'ai pas fait gaffe, excuse-moi. Ça, on va dire priorité en sortie à droite, quand même. Le mien, et pourtant ça coûte une fortune. Ah, tu fais pousser ton herbe à chat? Ça pousse bien, comme de la mauvaise herbe, ou faut quand même bien s'en occuper? Ah mais il y a eu des... Ah non, d'accord, le dos droit, ça le met là, aussi. Comme un follow. Je ne savais pas. En même temps, à chaque fois que j'achète un truc pour mon chat, elle s'en fout, alors quand j'achète un truc pour mon chien, elle le veut. Leur herbe est comme pour nous avec la nôtre. Donc j'ai dit charbon. Je vais récupérer déjà, même si j'en ai pas spécialement besoin, les foreuses qui sont ici. Normalement ça devrait être fait en automatique. Celui-là que j'avais pas pris. Hop. Tac tac, et voilà, on a tout pris. Ça pousse très bien, cool. Faudrait qu'on voit alors. Pour en faire pousser. Je veux dire que c'est de ma faute là. Tac. Alors, on va se mettre genre là. Je devrais me faire un pattern pour faire poser tout ça par des robots. Ça sur la Comic Factory, mais pas sûr que ça a sa place. Pas à tâche générale, mais bon, en effet, ça va peut-être faire tâche plein milieu. Oui, oui, c'est vrai que on est tous les deux diffuseurs. Et tu peux me MP toujours. Je tâche, je vous ai tagué tous les deux. Très bien. Moi, ça me va, vu que j'étais curieux. Tac. Ah bah ils sont bons. Ah bah ils reviennent. Et tout
Ça, c'est du charbon, du bon petit charbon. Colis. Que j'aille me rattacher là-bas. J'aime faire des tâches. Et bah très bien. Je sais pas si les pandas aiment faire les tâches, mais en tout cas ça gêne pas les chats. Donc bien joué. voilà. Regarde le nom de l'émote. Pistache. Iten Pistache, le nom de ton chat. Tac, tac, tac. Là, le charbon devrait revenir. Voilà. Le charbon revient, j'en ai un petit peu, je vais essayer de le poser sur le plastique au moment de ton futur chat. Crème à la pistache. C'était où exactement? Oui, c'est par là, un petit peu en dessous. Ma chatte à la base, j'ai pas choisi son nom. Ah. Au moins, c'est pas chaussette parce que t'as un chat noir avec des pattes blanches. Ou ce genre de nom un poil trop bateau à mon goût. Un poil trop vu, revu, re-revu. Pourquoi eux n'avancent pas? Parce qu'on n'a pas de cuivre. Pourquoi de... d'acier. Pourquoi on n'a pas d'acier? Parce que j'étais en déj de prod, mais normalement maintenant c'est au maximum de la prod que je peux faire en tout cas. Oui. C'est donc pas ouf, mais bon. Le chat du voisin, c'est Badou. Oui, oui, site de rencontre. T'es obligé de choisir le nom de ton chat avec la première lettre imposée, non? Qui change tous les ans. Du coup, j'appelle Tinder. T'es pas obligé. Mais si tu veux te souvenir de quelle année il est né, c'est plus facile. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé Rune. Enfin, qu'on l'a appelé Rune. Parce que c'est l'année des R en ce moment. Mon chat a pas de nom. Triste, ça. Je crois que pour les chats que j'avais chez mes parents, on respectait pas les années en Toto ou en Titi. Mais genre, pas du tout. Ok, le charbon arrive enfin. Oui, j'ai appris ça il y a peu, c'est chelou, on est d'accord. Quoi ? Moi, j'ai eu un pompon. Pompon, ouais, c'est classique. Pucelle, ok. Sushi, Ferrari, Léo. J'en connais des gens qui appellent leur chat juste « Hé, le chat !» Bah, c'est pas triste, juste je l'appelle pas, elle fait sa vie, et au pire, si vraiment je la cherche, j'attrape un paquet de croquettes. Oui, mais c'est pas pour l'appeler. Boule de neige, 1, 2, 3...
Le but de donner un nom à un chat, c'est pas pour l'appeler, c'est... C'est pour quand t'en parles à des gens. Après, si t'as qu'un chat, je comprends que tu en ressentes pas le besoin, c'est... Bah, mon chat. Mais chez mes parents, on avait trois chats. Puis maintenant, il y en a deux nouveaux, parce que les deux plus jeunes, ils... Voilà, quoi. La plus vieille survit. Du haut de ses 20 ans, petite AVC, elle voit plus rien, mais elle survit. Toujours debout, toujours vivant. Ok, le charbon est revenu. Donc le plastique est en train de revenir. Donc ça va revenir. Mais pas l'acier pour les punaises de... comment il s'appelle? Four électrique. Ça m'emmerde. J'ai pas envie de le faire. La suite. Pensons à des choses un peu plus joyeuses. La suite. Recherche. Non, pas les explosions, pas les Speedertron. J'ai fait les potions jaunes, donc ça en fait, ça devient une priorité. Tac. Je suis censé avoir les po des potions violettes, donc on peut dire que ça devient des priorités. Et voilà. Et donc le silo à fusée. Il va falloir avoir une produ... Ah non, ça c'est pour construire le silo à fusée. Donc il faut masse de plaques d'acier. Ah oui, quand même. 200 processeurs j'ai déjà. 200 moteurs électriques, il n'y a pas de souci. Les tuyaux, il n'y a pas de souci. Le béton, il faut en faire. Donc le béton et plus de plaques d'acier, quoi qu'il arrive. Et les modules. Donc les modules, c'est surtout les unités de contrôle. Unité de contrôle, il faut quoi? Il faut des processeurs. Ah, Speeder cochon. Speeder cochon. Il peut marcher au plafond. Tirer. Ouais, je sais, j'ai enchaîné sur sur ton troll de texte, du coup ça fait peut-être un peu bizarre. Mais pourquoi je peux pas le faire lui? Parce que j'ai pas fait le béton. On va faire le béton. Non, mais le béton, on va le faire avant parce que sinon. Non, on s'en sort pas. Le béton. Donc, pour ça, il faut des processeurs, ça va être chiche. Et des modules de vitesse qui vont aussi, eux aussi être relous. Roy, je déteste les véhicules du jeu, mais le Spider-Tron est vraiment fou. Le fait qu'il se fasse pas percuter par les trinqueurs. Ben, j'en ai pas encore vu vraiment, enfin j'en ai aperçu dans des maps multijoueurs, mais je les ai plus rejoints à l'arrache ces maps que vraiment jouer moi-même. Donc oui, mais là il manque quand même du plastique. Il manque du plastique parce que j'ai pas assez d'usine. Ça, on s'en fiche. Ouais, mais ça vient jusque-là, donc il y en a un peu plus.
Voilà, bah oui, et bah les autres aussi sont pas percutés par les trains. Sauf si tu sais pas conduire. C'est peut-être ça le problème. En même temps, les trains ont la fâcheuse tendance de rouler sur ma voie, quoi, là où je veux rouler. Non, y a pas besoin de rallonger ça. J'ai pas envie de faire la suite, surtout en speedrun. Couper. Hop, et lol, les trains sont les victimes de l'histoire. Je croyais... Pas les véhicules. Je croyais que je faisais des routes tout ce temps. Non, tu faisais des rails. Tu faisais des rails. Arrêtez de rouler sur le chemin de fer et faites des routes. Sauf sur les parties multijoueurs, car à force, ça bouffe l'FPS. Ah. Je veux bien te croire. Donc ça, y a un peu de production, c'est ridicule, mais je préfère ça que rien du tout, sachant que c'est un énorme ralentisseur de pas en avoir. Pour la suite. Pour en stocker le temps que je puisse faire ça. C'est juste pour que en ce moment ils s'arrêtent pas. Parce que sinon eux ils vont s'arrêter de bosser. Enfin, ils vont jamais bossé vu que j'ai pas de rouge, on est d'accord, mais c'est juste pour un petit buffer le temps de se faire les modules de fusée. D'ailleurs, en parlant de fusée, on avait vu qu'il fallait aussi faire ça. Ça c'est pétrole léger et combustible solide, oui, mais ça c'est pas trop un problème, je crois. Combustible, il faut comment? Oui, il faut juste du pétrole léger, quoi. D'ailleurs, j'ai plus beaucoup de pétrole léger grâce à tous ces usines. Donc, je peux faire du combustible solide à partir de là. Ça marchera aussi. C'est plus goût épinard ou plus goût burger? Je sais pas. Je te laisse choisir. Je crois que c'est le bon terme, choisir. Pourquoi ils bossent pas eux? Il y a encore plus de cuivre. Il n'y a encore pas assez de cuivre. On lui va s'auto-réguler. Quoique eux seront tous remplis de verre. Bah, les verres vont s'accumuler, du coup le cuivre va avancer au bout d'un moment. Ça va être très lent, mais ça va le faire. D'ailleurs là j'en ai pris 200, pile poil ce qu'il me faut. Dis-nous tout, quel régime doit-on faire pour passer à une alimentation à base de modules?
Je sais pas, c'est toi qui as des idées bizarres, Riten. C'est toi l'expert Factorio. Moi, je dans Factorio, tu vois, j'ai un petit, je vais dire stéthoscope. Non, le truc des sous-marins. Périscope et c'est tout. Si j'ai tout lu. J'ai tout lu en plus. Ouais, non. J'avoue, je peux faire ça. Voilà. Combien en tout? Oula, il y a beaucoup trop de logistique maintenant. Sur ce, tu vas manger une part de pizza? Et ça a pas le goût d'épinards ou de burger, une part de pizza. À part si tu prends des pizzas. Des pizzas à des goûts plus particuliers. Quoique, j'ai déjà vu une pizza au burger. Épinards, je suis moins sûr, mais peut-être. Je suis moins sûr. Ah oh. J'ai plus de bleu, c'est pas le violet, c'est le bleu qui me manque. Pourquoi? Parce que j'ai pas de rouge. Pourquoi? Parce que j'ai pas de circuit. Parce que j'ai pas de circuit, c'est tout. Il y a bien les pizzas kebab. Alors burger, c'est pas choquant. Ouais, mais je crois qu'il y a une marque qui fait pizza burger. Je pourrais pas te dire laquelle là tout de suite. Ils faisaient quoi d'autre? Pourquoi ils font pizza hot dog aussi? Hot dog avec sauce moutarde américaine, dégueulasse. Enfin la moutarde, hein. Là-dedans, bon ça fait le goût ça fait le goût qui est indiqué sur la boîte, mais c'est pas de la bonne moutarde. La poutine c'est meilleur, mais. Mais faut que tu m'en payes une parce que j'en ai eu que des mauvaises ici en France. Ouh, ça je prends, ça je prends, ça je prends. Si tu es au Québec, t'inquiète, je ramène je te ramène à Poutineville. Y a Poutineville vraiment? Bon là le bleu ça devrait se ressortir mieux. C'est où? C'est là. En tout cas il y a les câbles qui sont en train d'arriver au rouge donc ça devrait aller. Un resto où tu fais la poutine de ton choix. Ah! Ça peut être marrant en effet. En effet. Ouais, un Subway de la poutine, quoi. Non, Subway, c'est pas bon. Ah. Bon, le plastique, c'est lent, mais ça se remet partout. C'est tout bon.
Là, ça produit lentement les circuits rouges, mais c'est pas très étonnant. On va peut-être pas dû autant coller, mais tant pis. Ah oui, lui, c'est celui qui s'auto-équilibre. Bon, ça fait un bout de temps que j'avance pas. Je suis fatigué et ou perdu, je sais pas. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les unités de contrôle à fusée, mais j'ai la flemme. Il faut faire... les structures à faible densité, c'est ça. Ouais, donc faut que je sorte les structures à faible de densité du carburant. Et le reste, ça devrait aller. Donc on va les sortir. Oh, on peut pas les sortir là facilement. Non, on s'en fout, on avait dit ici. Hop, filtre, structure à faible densité de l'autre côté. Là, j'ai mes structures à faible densité. Là, il va falloir que je produise ça. Parce que de toute façon... ça. Ah, j'en ai pas d'autres. En sortie. Là et oui, 60 ticks par seconde. Ce qui fait relativement du 60 FPS aussi. Si on y pense comme ça. Quoi, mes robots peuvent pas prendre là-dedans? Ils sont sérieux? Ah non, c'est dans une vraie machine, ok. Ah, dans une machine plus standard. Qu'on fait le carburant pour fusée. Et il faut du pétrole léger.
Et ce serait cool. À moins que j'en ai une sur moi de pompe. Ils sont où? Non. Une. Non, pas une pompe offshore, une vraie pompe. Il faut un moteur. Deux. Et il va falloir que je fasse des circuits très vite fait. Je vais dire, j'ai pas fait la logique, j'ai pas le droit au circuit. Et donc toi, tu peux pas être relié là, tu dois être relié à une citerne. Et donc si... ça est inférieur à 20 000. Ça tout le temps. Salut Elfima. Ouh, merci Katoche, j'avais pas vu. Tac. Ah, qu'est-ce que vous dites de du coup? Holgrand est l'unique, Elfima. D'accord, je te crois, Riten. Alors, Riten, t'as réussi ton truc. Bête de truc, hein? Ton histoire dentaire, ah oui. Le mode est sorti et fini, du coup. J'ai eu 2-3 corrections qu'il fallait migrer de l'ancienne Agnière à la nouvelle, mais là, c'est nickel. Il lui reste seulement le silo. Mais non, j'ai pas fait trop de craft, j'en ai d'avance au cas où je miscliquais. Où ça? Là. Ah, passer de l'ancienne manière à la nouvelle manière. Ok, et c'est quoi ton mode du coup, vu que tu en parles? Je suis curieux. Ah, ils ont abandonné, ils vont où? Là. Parfait. C'est written téléportation, d'accord. Written téléportation. C'est pour, du coup, je suppose, téléporter des d'un coffre à l'autre. Tac. Attendez. Pollution. Sauvegarder. Ah, les joueurs. On peut téléporter des joueurs, c'est ça? Ok. L'épisode commence déjà à être un peu long, mais je veux juste arrêter de me faire embêter par les biters. Du coup, ben je les aggro et on fait une dernière fight. En plus, vu qu'il est minuit, je suis pas sûr de continuer après. J'ai jamais fait des grenades.
fragmentation. Ni de tank d'ailleurs. Je vois que vous écrivez un peu. Mais je lirai après. Bon, les joueurs, d'ailleurs, je me demandais, ton return téléportation, peut-on mettre plusieurs portails dans une base et les lier ou c'est vraiment que pour le multi? C'est un mode qui sera utile seulement en multi et ça crée une map par joueur, des portails pour rejoindre les autres. D'accord. Ouh là là, je vais me faire attaquer avec ça. Il y a beaucoup de tourelles quand même. On va se mettre l'aérigène. Les maps servent seulement à relier différentes maps, enfin des joueurs différents. Ah mais j'ai des poissons. Bon allez. Bref. Sur ce, on va arrêter l'épisode là tout de suite. Sur un joli écran de mort. Ah zut. Il a fini, lol. C'est ça. Bon. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vers le haut, tout ça. Et je vous dis à bientôt.